Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de RockTech. On va reprendre notre aventure. Alors, on avait des réparations à faire, du refit, on avait nos battle armor qui avaient un peu pris, mais pas détruites cette fois. Je crois qu'on va aller voir la boutique hein, d'abord. Ah, ça paraît logique. Battle armor laser, qui tire max 150 mètres. Ok, gobelin SRM qui est pas mal. On avait regardé un peu ça une fois. Ça donne envie d'acheter peut-être un petit peu des trucs. Hein. On peut acheter directement un Centurion B, vous voyez là, il n'y aurait même pas de truc. On aurait le LBX direct. On le reconnaît au canon un peu plus pointu, le LBX, quand ils les mettent sur les robots. Et un MLP10, oui, c'est vrai que c'est un armement vraiment, vraiment standard, hein, le Centurion. Ils mettent l'autocanon, ils mettent le missile longue portée 10, et puis vaille que vaille, tu peux tout tuer avec ça. 55 tonnes, j'aimerais quand même plus du lourd si je dois acheter des trucs. Le Griffin qui est juste à la limite du max moyen. Un Hawk Motua, quand même très tentant de se le mettre de côté, hein. On a vu qu'il y avait d'autres trucs qui étaient tout aussi bien que les Hawk Mot. On va dire que non. On pourrait prendre un Longinus. Ah. B1, Kadegos. Oh, je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Ghost. King David Ghost Rifle. Ok, c'est juste l'appellation. 50% de chance de coup critique. Dommage fall off. Ah. Il fait plus de dommages, mais il fait l'off rapidement. Ou alors il a une meilleure portée. Ah, c'est plus efficace contre les Battle Armor. 8 shots. Ok, mais il a un SRM2 d'appoint qui a un one shot. On voit pas trop le blindage qu'ils ont aussi. C'est marqué le blindage quelque part? Non, juste durabilité. Ok, on pourrait acheter. Il y en a 8. Hein. Deux Longinus. Alors c'est marrant parce que je vois pas de différence quand tant qu'une Battle Armor dépassera pas 4 de tonnage, finalement c'est exactement les mêmes, c'est juste le matos qui diffère. Hein. Et le matos on peut le changer. VTO L-Tag, 2 10 tonnes. Ouais mais non, on hésite déjà à vendre le nôtre. Battle Armor SRM3, SRM4. Alors c'est quoi? C'est de plus en plus de missiles à lancer, mais de plus en plus lourd, 0,55, 0,25. Donc vous voyez pour un SRM de plus. C'est quasiment le double du poids. Donc en fait, vaut mieux mettre 8 Battle Armor SRM3 que 4 Battle Armor SRM4. Hein. Évidemment. Donc ça, c'est une vaste arnaque. Et limite, les SRM2, c'est peut-être le même constat. À voir. À voir. Dans tous les cas, on va s'acheter quelques SRM3. On les achète par 4. Hein. Alors, Ammo Light Ghost Alf. On en a un. On a déjà acheté, ok. Je vais m'acheter ce qu'on ne fait pas depuis un moment. Pas les lames, mais les. Le narc. Le narc? Ouais, c'est tentant le narc, mais non. Ah merde, il n'y a pas. Il y avait des trucs là de cockpit la dernière fois et on les a pas achetés et ils y sont plus. Ah bah bravo. Alors, on a un autre Longinus ici. Non, c'est le même. C'est quoi alors ici? Ah, c'est un Phoenix Hawk. Putain, je l'ai pris pour une Battle Armor. Phoenix Hawk 2, Guardian ECM, sûrement avec une Extended Range. Non, gros laser, laser medium. Ah ouais, il se prend pas la tête. Ils ont juste rajouté un ECM dessus, quoi. Oh, les vilains. Les vilains. Le Brace, le Strider, tout ça, on a des pièces. Strider OA, Strider OD. Pas besoin. Eh ben, je suis déçu. J'aurais bien acheté les cockpits. Parce qu'on n'a jamais eu de cockpit encore. Hein. Ultra AC10. Ultra AC20. Je sais même pas si on a les armes en conséquence. Mais je pense qu'il nous manque des munitions sur certaines armes. Hein. Du coup, est-ce qu'on achète les Longinus? 1,8 million. Ça, on pourrait directement les déployer. Hein. Mais bon, je me dis que. On pourrait avoir des trucs bien mieux. Hein.
Resupply. Non, ça c'est nul. On pourrait acheter un Hawkbot à la place d'un Longinus. Des Blackjack. Omnimech. Omnimech, on voit tout de suite la différence. Hein. Tu choisis ce que tu mets dedans. C'est exactement la règle de création de Battletech du bouquin de base. En gros, t'as une fiche vierge, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Et tu peux créer les mecs que tu veux. Donc évidemment, un mec créé comparé à un mec de base ou un mec d'usine, ça n'a rien à voir. Hein. On va acheter les lasers pour nos Battle Armor. On va en acheter. On va tous les acheter. Tiens. New weapon systems available. Dissipeur thermique, réacteur à mode, blablabla. SRM double, on s'en fiche. Plus 7 engines, non. Mitrailleuse. Le gobelin pourrait être un bon investissement. On va garder. On va garder. On achètera si on a besoin. On a encore beaucoup trop de véhicules. On va se faire une belle petite mission qui tâche en dollars. Voilà, 2 millions 6. Ça risque de payer cher. Pour ça, il faut qu'on se repose un peu plus. Non, c'est pas passé. On sait pas pourquoi ça passe des fois et des fois non. Alors que vous approchez du mess, vous surprenez certains membres d'équipage de l'Argo en train de se plaindre comme s'ils sont sous-effectifs. Tout le monde est fatigué de faire des gardes supplémentaires afin que tout fonctionne. La situation n'est pas encore critique, mais ils ne voient pas l'avenir d'un bon oeil. Discuter du manque de discipline avec Darius, les laisser se défouler en privé. On les laisser se défouler. Aucune conséquence. Voilà, les laisser s'exprimer suffit à... Non... Oh, il vient de m'arnaquer une je sais pas combien de jours là. Espèce de salaud. Ok, regardons un peu la map là, ça fait un moment qu'on n'a pas jeté un œil. Ok. Les endroits avec les missions spéciales n'ont pas l'air d'avoir été modifiés. On peut aussi aller aider. La Free World League sur différents théâtres d'opération. Hein. Genre là, aller défendre leur planète, je pense. 17 pour les World of Blake. Ligue des mondes libres, force 11, ils vont perdre. Hein. Ils vont perdre si on n'y va pas. Mais 25 jours, je pense qu'on arrivera trop tard de toute façon. Alors on veut partir, mais on veut un peu plus de fonds pour partir. Hein. Donc là, pour le moment, il n'y a rien qui nous incite à ne pas faire la mission d'abord. Et on verra après, on aura 2 millions de plus. Un peu plus de 2 millions de plus. Voilà, 2 millions 100, on va prendre un tout petit peu de salvage. Et Apollo, Phoenix, Blackjack, Janer, Commando, Sprint Tag, ça a l'air nul. Franchement, je vais les vendre, je crois, les deux là. C'est des coups à crever bêtement. D'un autre côté, ouais, le harasseur sur Aeliel. Allez, on va essayer de les perdre au combat, mais si je perds les pilotes avec, ça va m'énerver. Hein. Les pilotes s'en sortent assez bien, je trouve, quand même. LRM, oui, parce qu'il y a beaucoup trop de corps à corps. MRM, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup trop de corps à corps. Ou alors, je prends deux Hetzer. Parce que les Hetzer sont bien aussi, à cause des mines précision. Ilona, on va te retirer... Et là, les Battle Armor. Elle est pas récupérée. Eh ben, on va en avoir qu'une. Parce que j'ai la flemme d'aller voir ce qui cloche avec. Probablement l'ordre. J'ai oublié de la remettre devant. On avait le Clint aussi. Ouais, on va prendre le Clint à la place du Commando. Et on va mettre Batalos dessus, vu qu'il est SP CAC. Que ce soit le Blackjack ou le Clint, les deux ont été pensés pour lui. Hein. Pour le corps à corps, de toute façon. Mais Kunu peut très bien se débrouiller. Ok. Donc là, c'est bon pour la lance A. La lance B, il nous manque un pilote. Et il nous faudrait... Mouvement plus bandit, il en a. On a peut-être des spécialistes... C'est un pilote de mec. Trevor. On peut tester Trevor. Xanto, il donnerait l'init. On va prendre l'init. Init et vitesse. Tarful. Galéon, Pacrat. Mais on n'a pas des gens qui ont déjà piloté ces trucs. Galéon, Gobelin, Scorpion.
Artichaut, commando, cargo truck, sprint, VTOL. Ok. Ouais, je sais pas où je les ai mis. Ah bah, ils sont déjà peut-être dessus. Ok, on va laisser comme ça. Hop, hop. Et c'est parti. Pas assez de puissance de feu, ouais. Va falloir viser précis. Je vais vous épargner le temps de chargement. Ok. Command interface initiated. On les tient, commandant, ils sont à découvert. Oh, ils ont la hauteur quand même. Ce sont des amateurs, trouvez-les puis éliminez-les. Bonne chasse. Alors, on a un copain avec nous. Ça, c'est quelqu'un m'a dit que c'était peut-être dû au fait, ouais, je vous en ai déjà parlé, qu'on est moins nombreux qu'eux. C'est possible. Mais ça m'étonnerait pas que ça soit tout basé sur des pourcentages, que ça soit possible, que ça soit comme ça, avec plus de pourcentage de chance, mais que ça soit pas systématique. J'aime pas du tout notre déploiement. Notre déploiement me paraît complètement disproportionné. Il a une côte pour lui, nous on est en milieu, en bas dans la forêt, ou alors on arrive sur une route qui est un lacet encore pire, et qu'on doit monter sur des rochers là, genre se faire démonter au moment où on passe les rochers. Par contre, il y a un petit goulet d'étranglement ici. S'il a des véhicules, vous voyez, lui aussi, il a un peu problème. Il a un deuxième lacet là-bas. Mais est-ce que l'ennemi va nous foncer dessus, ou est-ce qu'il va nous canarder depuis les hauteurs? Je pense que c'est plus du genre à nous canarder depuis les hauteurs. Et là, le problème, c'est qu'au déploiement, s'il a l'init, il va nous faire super mal. Hein. On a des alliés dans le coin, il pourrait prendre le tir à notre place. Je crois que je vais déployer dans la forêt direct pour avoir au moins un minimum de défense. Voilà. Et la Battle Armor, un peu plus devant. Parce que c'est triste si elle se fait canarder et qu'elle n'a pas la défense, mais c'est vachement moins triste que si c'est un autre de nos véhicules. Hein. Contact. Ok, 3 seulement. À vue de nez. Hades Loki 2. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Grasshopper, ok. C'est sympa, mais c'est du laser, ça, hein, le Grasshopper. Et le troisième est où? Firebee? J'allais dire Freebie, mais non, c'est Firebee. What? No. Ok, Tarful, tu vas aller t'installer tranquillement dans une forêt à 3 et nous faire un petit tir de précision, okay, d'entrée de jeu. Oh, on a un Ifrit avec nous. Waouh, 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 ça fait super mal, mais très courte, pendant un temps très court. Ce qui est exactement ce qu'on veut d'un bombardier. Mais regardez l'équipement de notre adversaire, là, le Hades Loki. Alors Hades, ça vient de l'enfer, et Loki, c'est le dieu de la trahison nordique. Pas de la trahison. Le dieu sympathique nordique. Medium Pulse Laser Magna, Blaze Fire, CSRM6, Shrek de clan. Donc vous voyez, dès que c'est l'enfer, vous pouvez quasiment être sûr qu'il va loader ça avec de l'inferno. Et c'est toujours un peu comme ça, hein. Doom, Doom, Inferno, enfin tout ce qui est en rapport avec l'enfer, c'est l'enfer. 18% pour lui mettre un tir d'AC. Ça me paraît peu probable, mais... Firing Alpha 3. Ouais, on a touché deux fois, dont une fois à la tête. On est d'accord que ça a touché la tête? Non, ça a pas touché la tête. Regardez la tête. Il a deux de blindage interne. Non, c'est qu'il avait pas de blindage. Ok, on lui a mis 24 sur 3 tirs, 5 tirs à 12. Franchement, à 19%, je le dis qu'on a chaté. Hein. Le Jainer, allez, on fonce. Le Jainer n'a plus de senseur actif, il a juste le AR-12. Mais on va quand même essayer de sacrifier une de ces phases de tir pour vraiment pinguer tout le monde. Au moins pour nos alliés, pour nous. 4 plus forêt, on le met devant, on essaye d'attirer l'attention, on agite les petits bras qu'il a, ses bras de poulet là. Hop. 6-2, non. Mine dispenser. Alors, regardons, on avait dit ce lacet là est pas mal. Là aussi, c'est pas mal. Et là, ça fait une pierre deux coups. Ici, ici c'est aussi une descente. Franchement, je crois qu'il se mange notre mine. Au limite, je tire pas au SRM. Ouais, non, on va mettre les mines. Et le SRM. Ok, on a complètement raté le SRM, mais les mines, c'est bon. Pas besoin de toucher, ça en met partout, mais bon.
Ok, là il sera parfait pour un deuxième champ de mine du Phoenix. Alors, il allume notre Clint, sauf que on a été protégé 5 sur 5 Waiting for orders. par quelqu'un, le BG. Blackjack, il faut qu'il fonce. Hein. Est-ce qu'on passe par là? Ça c'est super dangereux, hein. On peut pas traverser ça pour monter. En fait, faut monter par l'endroit où. Non, ça va, il y a deux montées. Mais là pareil, il y a des rochers. Faudra passer par cette forêt et choper les gars. Donc on va dire. Oh là là, j'ai même pas une forêt à l'arrivée quoi. Trois forêts ou quatre? Non, on a que trois forêts, ok. Confirmed. Alors c'est bien de mettre de la vitesse sur un corps à corps, mais après c'est pas tout ce que vous voulez lui mettre. Vous voulez le mettre full blindage, vous voulez qu'il ait quand même un armement corps à corps, enfin voilà. Donc c'est un équilibre à trouver entre le fait d'arriver au contact et de pas être complètement démonté quand vous le faites. On est en overload sur l'anti-missile système, et je suis devant le Janer. On va dire que c'est ok. Ah, il y a des tirs d'anti-missile système de partout, par contre on prend super cher. On a raté 6 missiles. Mais les missiles qui font 8, c'est du Deathfire ou. Ah non, mais c'est sa tonne de SRM Shrek. Pilote d'élite. Ok, il a bougé après le tir. Donc c'est bien, c'est SRM 6 Shrek. Et encore, je trouve qu'on n'en a pas pris tant que ça. Regardez. On en a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un 18, ouais, bon, on a pris super cher. Il va falloir qu'on surveille ça. Hein. Par contre, si tout a touché, ça me cause aussi énormément de chauffe chez l'ennemi. Hein. Heureusement qu'on en a stoppé 5, ça fait quand même 42 dégâts stoppés rien qu'à l'AMS. Hein. Par contre, il a pas tellement bougé. Ouais, alors là, on peut faire. Alors, regardons sa chauffe. Non, il chauffe pas. Il chauffe pas. Le Hetzer. On peut rester dans la forêt, mais je crois que. Ah là, c'est pas mal. Taking her to top speed. On va devoir s'occuper de cet enfer là. Il nous a mis je sais pas combien le bordel. Faut qu'on lui fusille la gueule. Un tir dans la tête, ça serait parfait. En standard 32, 44 en précision. Non, mais c'est ça. Discharging weapon. Ok, oh il y a eu de l'interne, non? Ah non, il n'y a pas eu de l'interne, mais il a pris 60 quand même au total. Et il a un hover, alors attendez, on va quand même regarder bien ses unités. Oui, il n'a pas beaucoup d'unités, on sait qu'on va gagner, mais il a des unités qui font peur. Le Firebee, dans le genre pénible aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, LRM5, pirate. Le fait qu'ils soient pirates en plus, qu'ils peuvent rajouter des dégâts aléatoires, ça peut faire mal. Deux gros lasers, quatre lasers médiums. Lui, il fera mal s'il arrive au contact. Mais sinon, son MLP5, c'est de la blague. Mais l'autre, vous voyez, entre lui qui a 6 SRM6 et lui qui a 7 LRM5, les deux vont être très pénibles, malgré nos antimissiles système. Le LRM va se faire stopper beaucoup plus facilement, par contre. Je trouve pas son véhicule. Je ne trouve pas son véhicule. Comment on pourrait faire? Comme ça. Yes, Commander. Ok. Ma Battle Armor qui peut bouger enfin avant de se faire massacrer. Lifting up. On va s'écarter des autres au cas où il y ait de l'AOE. Mais je pense que c'est vraiment tellement bourrin là, leur matos, que c'est plutôt straightforward. Ils pourraient nous l'avoir en tirant au SRM Inferno. Heureusement que c'était pas de l'Inferno sur. Enfin, heureusement. Sur le Blackjack, vous voyez, il a quand même bien encaissé. Hein. Il a pris dans le centre-torse la plupart. Mais il pourrait pas en encaisser beaucoup des comme ça. Hein. Il a pris, en fait, il a pris partout. Vous voyez là, son blindage, il a perdu 252. Non, combien? 200 de blindage. 200 de blindage en une volée. C'est pas catastrophique vu que c'est bien réparti, mais il faudrait pas qu'il en encaisse beaucoup comme ça. Hein. Ah, encore que, il pourrait en encaisser 3 de plus et toujours pas être en interne hein, si c'est bien réparti. Le Shrek, enfin le SRM, c'est vraiment pour exploiter les trous qui ont été faits par une autre arme. Mais s'il n'a pas d'arme genre autocanon, bah c'est pas génial. Bon, après, on a déjà tellement massacré des gens avec l'Apollo sans avoir eu à faire de trous avant, que faut quand même se méfier, mais bon, voilà. Là, par exemple,
Je pense que c'est juste du grind d'armure hein, qu'on va faire. Alors, ouais, on n'a pas un beau tir. On y va à l'arty. Voilà, on lui a mis autant qu'il a mis à notre allié. Et maintenant, il suffit de rajouter la douleur. Avec un extended range PPC ou un truc comme ça. On peut rajouter des mines aussi sur sa gueule. Il a pris un peu de dégâts dans les pattes sur le premier mouvement. Si on lui remet un champ de mines, ça devrait pouvoir couvrir un petit peu en bas. Alors j'ai peur que ça nous empêche de passer par là. Mais en même temps, le grasshopper, faut qu'il s'avance de toute façon. Et on a un joli Bolton. Allez, c'est parti, c'est la fête. Il va peut-être tomber là-dessus. Aïe aïe. J'ai tombé par terre, hein. Pas tombé, tombé. Mais on a raté le laser lourd. C'est vraiment l'élément important pour vraiment causer un trou. On a touché la tête. I'm out of short range missiles. On a touché la tête et il avait déjà un petit trou dedans hein, en interne. Mais on a mis un dans la tête. Vous voyez, c'est juste un point de dégâts qu'on a mis. What are your orders, Skipper? D'ailleurs, je sais pas comment on peut faire ça. Juste un point de dégâts. Un résidu de dégâts qui a été touché la tête, c'est bizarre. Faut pas qu'on reste trop collé, tout le monde là. Ouais, on va partir dans la forêt à gauche. Pas dans la forêt. C'est le Clint, hein. Il cherche le contact. On va peut-être passer par le tunnel. 10-4. Maxime, ABC, alors il a quoi? Ok, ah, il est tombé. Parfait. Le pilote ne peut plus rien faire, bah il l'a séché, il est inconscient. Ah, mais il va avoir le kill à cause de ça. Par contre, la bécane est relativement ok. Hein. Mais c'est bien, il est plus là. Le harasseur, alors le harasseur qui a eu un coup de chance, hein, incroyable. Parce qu'il s'est pas fait du tout cibler. Alors que s'il s'était fait cibler, il était mort. Par contre, au démarrage, il est déjà à 6 galons. Hein. Ah, il a plutôt intérêt, hein, sinon il survit pas à ce truc. Alors le Ifrit, ça couche. Alors je pensais qu'il allait tout lâcher sur lui. Mais du coup, vu qu'il l'a séché, maintenant il va tout mettre sur un autre. Là, il lui a mis un AC20. Dans la gueule au freebie, au firebee. Freebie, c'est méchant de dire ça. Alors, attendez, il est où l'hélico? Ouais, il lui a mis le light AC20 dans la gueule. Mais ça a pas l'air light les dégâts. Hein. Juste la portée. AMS flare x2, bombe mine. Ah, il peut larguer des bombes pour poser des mines. Oui, d'accord, ok. Matisse. Le Hetzer LRM, alors ça c'est le Hetzer. Alors il a pas de portée courte le Hetzer LRM. Oh l'Ifrit, ah mais on en a deux. Ah ouais, non mais on a un armement de fou. Ok, ouais le Hetzer, le gros problème c'est ça. Regardez sa portée minimale, elle est vraiment dégueu. Il veut pas nous montrer sa portée minimale. Ah. Bon, apparemment il veut pas. Alors, 25% là-haut, on n'a pas d'autre cible, 17 au Deadfire, 22, bah autant aller au Deadfire, hein. Quitte à avoir un pourcentage de merde, au moins que les dégâts soient corrects, joli coup à la tête, et ben qu'est-ce qui se passe avec la tête? Alors là, normalement, il devrait lâcher les mines. Sam Protected x 6, 5, 6. Oh, il a que des LRM5 le bordel en face. Et vu le nombre de Sam Protected qu'on a. Parce qu'ils se protègent l'un l'autre. Ah mais non mais il y en a 3. Attendez, on va se mettre à côté. Voilà, comme ça on sera protégé par les copains. Light AC20. Alors Light AC20, je vois pas ce que ça peut être, mais. Si ça n'a que le nom de Light et que ça fait autant de dégâts, moi je dis ok. Hein. Alors, est-ce qu'il est à portée de WS?
Non, rien du tout, hein. Ok, tant pis. Tant pis, on va faire un tir pourri, mais c'est un Shrek, hein. Si on touche, il prend tout. Et si on touche pas, on chauffe pas. Donc, tout va bien. C'est gratuit. Planesman. Alors, c'est son véhicule à lui, moi, que je voulais voir. Où c'est qu'il a un véhicule, hein, dans le coin? On a une belle bécane à récupérer par terre, hein, cela dit, avec le pilote inconscient là. Alors logiquement, il y a des jets de réveil, hein, mais... Oh, il a un Owens. Oh, le Owens qui a pris 61 de dégâts dans chaque patte. Il a pris 61, il a pris tout son blindage dans chaque patte. Même un point en interne qui aurait dû causer un... Ah, vous voyez comment ça a fait, 61 de structure, alors qu'il a pris 1 de structure et 60 de blindage. C'est marrant. Mais il aurait dû faire un jet de critique. Bah, il l'a sûrement fait et puis il a pas écrit. Dommage. On aurait pu lui scier les pattes. Eh ben, Moumout, je crois. On va simplement pilonner lui vu qu'il a plus de jambes. Le Owen, c'est une unité chiante. Mais il faut qu'il soit vraiment à courte portée pour qu'il fasse mal. Mais l'autre qui est à l'autre bout, il est pas très dangereux. 40-40. Son gros mouvement est compensé par mes missiles. Ouais. Let's see if I'm sober enough to line this up. Tout dans le torse. On clusterise vachement avec lui, hein. Ça me fait peur cette histoire de clusterisation parce que justement le défaut des missiles c'est de tirer un peu n'importe où. Si les missiles se mettent à tirer comme des autocanons, un peu irritant. Damage is minor, Commander. Ah. Anti-missile système MK2 can't fire, not enabled. Sur le Ifrit. Ok, il a pas activé son anti-missile système, ce con. Mais heureusement, le nôtre l'a stoppé. Il y avait qu'un seul missile. Alors, je sais pas c'était quoi ce un seul missile. Mais le un missile, c'est en général un gros truc. Hein. Alors, le harasseur. Ok, on y est. On est dans le mode. J'ai 8 de mouvement. Je suis dans la forêt. Et je commence à harasser l'ennemi. Alors c'est bien une forêt à 1 comme ça qu'on va pouvoir s'échapper au tour d'après et avoir quand même un full mouvement. Et parce qu'on va pouvoir sortir d'une forêt très mince. Le tir est naze. Affirmative. Mais... Prochain tour, il fera plus mal et il sera dans le dos. Tell me what you need. Le Hetzer, bah du coup on va finir les petits, hein. On va quand même rester bien en mouvement. On prend la route, salut. Hop, et on allume. Le Beekeeper, ah, c'est le Freebie. Firebee. Beekeeper, on voit que c'est pas le même nom donc ça doit être une autre version X ou Y. Il chauffe pas là. Il a des missiles. J'irais bien à l'armor piercing pour l'embêter, mais 29%. Oh, on perd vachement. 44 à la flak, 57 à la précision. I'll make it happen. On lui a mis 24. Bon, un tir de médium quoi. Un peu léger, hein. Un peu léger, mais il y a toujours du tir touché, ce qui est toujours cool avec ces AC-10 là. Ah, les jambes commencent à prendre des crits. Il va pas rester debout le Owens. Ah, bah il est unstable, il a plus de défense. Good to go. Et ben c'est le moment de lui lâcher un Bolton dans la gueule ou un truc du genre. Je sais même pas si ça vaut le coup en fait. De lui balancer le Bolton. Plutôt que de l'envoyer sur le Grasshopper. Mais le Grasshopper, le harasseur est dans son dos. J'ai bien envie d'attendre pour voir si on peut le sécher d'une manière ou d'une autre dans les moteurs. Ouais, Bolton à 47, je prends, allez. Dommage, ça n'a pas touché la patte. Mais le laser a touché, on peut pas se plaindre. Là, il prend supra cher. On a détruit deux small lasers. Il est par terre. Bim. Il sera vachement moins dangereux maintenant. Parce que là, il va devoir se relever et bouger dans les mines. Et il a deux petits lasers en moins, ce qui fait beaucoup moins d'armement.
Donc même s'il arrive finalement au contact, ça sera fini. Commander. Petit potence, on va quand même avancer tranquille. S'il arrive au contact, on le... Confirm. On se le fera à la Battle Armor. On protège les copains. Fireby. Je comprends pas combien ils sont. Ouais, ils sont que 4. En fait, ils étaient pas 4. 1, 2, 3 le Fireby, 4 le gros. Ah, si, ils étaient que 4. Bon. Tarful. Hey. Avec le Hetzer, ok, on fonce. On utilise la route pour aller vite. Hop. I'll try. Les 3 heures sur la route, pas du tout discret comme des chasseurs de tanks qui devraient être. Par contre, on a. Ok, ok. Je crois pas que je vais le faire. Je vais plutôt tirer sur le Grasshopper. Bref, tu parles. Je vais tirer à l'armor piercing centre torse. Giro détruit, Giro détruit. Didn't expect that. Ok, il va être stressé. Avec un Giro détruit, il a le droit de se relever ? Espèce de trichard. C'est plus 8 au jet de pilotage, je veux le voir moi le 12 hein. Ah il va nous l'achever. Regardez, il avance à reculons là. Qu'est-ce que tu fais? Il se retourne. Ah et il nous l'achève, 90 dans le centre. Putain, j'ai l'impression qu'il... Oh non mais... Non, il a tout lâché dessus. Plus 35 de chauffe, il lui a mis du inferno en plus. Bon après, est-ce qu'on voulait récupérer un Owens? C'est quand même un Omni hein. Enfin, le Owens nous permettrait de construire un Omni, vu qu'on a des pièces d'Omni. Le Clint, ouais, qui est pas prêt d'arriver au contact, j'ai l'impression. Pareil, c'est de la Protec. Pas grave, si on peut pas utiliser nos gardes du corps, ça veut dire qu'on n'est pas en danger quelque part. Et puis, Cunu, il a encaissé pour les copains. Le Grasshopper. Alors attention, hein, il a quand même un laser lourd ce truc avec plein de médiums. Ça peut piquer. Mais en général... Les lasers, c'est vraiment fait pour découper la carlingue, faire maximum de dégâts, mais... Mais voilà, il faut en mettre un gros paquet. LZR et LRM, attendez, on va quand même aller tirer dessus, là. 5 de mouvement. Vous voyez, quand on utilise bien les routes avec les Hetzer, le mouvement est pas dégueu, hein. Surtout avec les pilotes mouvement qu'on a. LRM 15 x2. Allez. Oh là là, le tir de merde en Deadfire. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. En LK. Ouais, 25%, c'est pas si mal. Targeting for an alpha strike. Bon, je préférerais le harasser de dos et lui mettre un critique. Mais il aura quand même pas mal de blindage, bien qu'il soit déjà un peu entamé de dos. Hein. Il a déjà 15 points de vie manquants dans chaque. Donc ça veut dire qu'il a 35 dans chaque dos. Si je lui mets 4 missiles, ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Alors Cunu, on va aller dans la forêt. J'aurai pas de tir. C'est pas grave, on est à l'abri, on va pas reprendre une bordée. Pareil, le clean, faut qu'on s'approche de ça. Plus on sera collé, plus il nous verra pas. On sera à couvert. C'est comme sur le débarquement de Normandie. Tu te colles au... Fallait avancer pour être à couvert. Et il nous balance 1 million de trucs qui sont instoppables. C'est du mortier, ça. Hein. Qu'est-ce qu'il nous balance? On en a stoppé 12. Oh. Mais c'est pas le Grasshopper qui nous balance ça, hein. Ça peut pas être le Grasshopper qui nous balance du mortier, là. Ah non, c'est le Firebee qui nous balance ça. Ok, donc il nous balance des missiles LRM chargés de d'AOE. N'importe quoi, ce Firebee. Yes, Commander. Déjà que tu fais pas de dégâts avec un LRM-5 si c'est pour réduire les dégâts mais rajouter en AOE. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Faut qu'on le tue, faut qu'on montre qu'il faut pas jouer ce genre d'unité. Par contre, je sais pas où il est, hein. J'ai aucune idée d'où il est. Je n'ai aucun tir dessus. Il est là-haut, putain, il est bien planqué, hein.
Ok, alors on peut avoir le tir. 3. Ouais, allez. Good to go. Je devrais juste les taguer, mais je crois que je suis hors de portée pour les deux. Regardez. Ah non, on aurait le Fire Bee, mais on n'aurait pas l'autre. Alors autant lui tirer dessus. Ah ouais, mais en même temps, je lui tire de face. Allez, va pour le ping. Ça aidera les LRM à choper le Fire Bee. J'ai l'impression qu'il a pas beaucoup bougé, mais bon. Awaiting orders. Ok, la Battle Armor, on la met derrière. Ah, je sais pas si c'est prudent. Oh là, c'est beau. On a de l'indirect, on peut tirer au mortier. Target locked. Mortier dans la forêt. Je crois que ça a une dispersion très très courte, c'est pour ça que ça touche tout le temps. On a toujours l'impression que ça touche. Parce que je crois que ça peut disperser que d'une case autour, et vu que ça a une case de, d'AOE, vous voyez ça... Mais bon, les dégâts sont pipeaux, hein, c'est sûr. J'aimerais bien que vous lâchiez les millions de mines que vous ayez. Ah, ça balance les bombes là. Ouais, ça balance les bombes, ok. Donc mon harasseur, il va falloir qu'il pianote entre les bombes. Par contre, s'il bouge, c'est fini, hein. Parce que là, il a balancé 4 bombes missiles, 4 bombes mines... Je sais même pas combien de jets de mine il va faire. Oh, regardez tout ce qu'il a raté. Donc je peux même plus le prendre à revers par là-bas. Il va falloir que je trouve un angle avec le harasseur. Ready for orders. Il nous emmerde. Enfin, il nous emmerde, mais il aurait fait ça plus tôt, ça aurait été cool. Hein. Au moindre mouvement, il aurait fondu l'autre. On the move. Alors, le LRM, on se rapproche, mais... Le tir va pas être bon. On est en LK. 28. Firing all weapons. Puis il est super blindé, hein. On l'aura pas de face. Hein. Enfin, ça va mettre un peu de temps. Hein. I'm on the clock. What do you want? Yeah, Momout. Allez, c'est du grind d'armure pour le moment parce qu'on n'a pas réussi à les choper de dos. On se bat comme les clans, non, on se bat pas comme les clans. Normalement, on serait 1 contre 1. Le Grasshopper, il serait pas prêt de mourir en 1 contre 1. Mais vous imaginez les clans contre un Grasshopper, là, comme ils galéreraient à le descendre. Et c'est ça, hein, justement, la force des clans, c'est que. Ils y arrivent quand même, hein. Deadfire 23, non, on va y aller à l'artillerie. Aucun laser qui touche, c'est normal. Ouais, les missiles, ça va. Contre la riposte, je pense que ça sera sur l'Apollo. Espérons juste qu'il nous touche pas la tête, ça serait chiant la tête. Alors là c'est 20 qui rate. Et une autre bordée de mines qui va se perdre derrière lui. Mais regardez, elles vont toutes se perdre à Petaouchnok. C'est pas des mines, hein, c'est des missiles. Hein. Regardez-moi comme il crépit la zone quoi. Il y a un champ de mines, ouais. Talos, Skipper. Tu le sens comment le Clint là? On le colle? Ouais, on le colle là. Oh, il peut même tirer. I got you. Du coup, le contourner va être complicado. Oh, il y a de l'acide là-dedans. Si on touche un peu, ça suffit pour affaiblir un peu. Voilà, 2 d'acide. Ça fait 2% de dégâts en plus. C'est pas fou, hein. Mais bon, avec tout ce qui lui tire dessus. Vous voyez, une seule bécane comme elle peut tanker. Et c'est ça qui est fort, quand vous avez cette bécane qui tanque, mais en début de partie. Alors qu'il a toutes les autres bécanes qui font super mal. Vous voyez, là il tanque mais il est tout seul. Donc il peut pas tanker et nous raser en même temps. I'll make it happen. On va devoir replacer les Acélis. Ah, il est enrayé, c'est pour ça que j'ai pas de tir. Je me disais, c'est bizarre. Il n'a pas désenrayé. Hein. Hmm. 75 de carlingue. C'est pas mal. Par contre, il a pris 27 de mine en bougeant 3 cases. On pourrait s'en aller et être sûr qu'il va mourir. Hein. Le BG-1. Bon, je crois qu'on a... On a notre cible. Faut éviter les trucs dangereux. 3 forêts. Bon. No shooting, just running. Allez, QNU. Q
fais-nous l'ouvre-boîte. Bon, on n'a pas un armement foufou là-dessus, hein. Je fais quand même vigilance. Bon, les deux gros lasers ont touché, les petits touchent un peu. Les mitrailleuses ont fait un. Mais je les ai pas overloadés, hein, les mitrailleuses, donc on pourrait pouvoir tirer en boucle. Yes, Commander. Nightwood. On n'a plus rien. L'AMS. Il est prêt. 1, 2. C'est de l'indirect. Dommage. Sinon, sans forêt. Ah, si, il y a de la forêt là. Hop. Ça, on peut tirer dans le dos du Blackjack tranquillement. Voir, mon Blackjack. Non, il va pas se faire toucher. Hein. Target confirmed. Oh, le laser qui touche. C'est dommage que ça soit dans le bras, hein, parce que il aurait créé un trou partout. Hein. Yes, boss. Ah, voilà notre harasseur, mais c'est un peu tard maintenant. Vu qu'il y a toutes ces mines. Je peux même pas aller dans son dos sans en prendre. Vu qu'il a bougé, vous voyez. Là, on l'aurait eu hein, sans prendre de mines. Mais maintenant, je crois pas que j'ai d'angle à part en restant très éloigné, quoi. Et 5, c'est trop dangereux. 7, c'est pas mal. 8, c'est ok. 7 plus la forêt. On s'en fiche de la forêt, c'est si on veut vraiment pas se faire toucher, simplement. On est. Avec des lasers, avec 8 gallons, il nous touchera jamais. Hein. Nous, on n'y arrive pas, en tout cas. Sam Protected. Ouais, pas mal. Firing a full salvo. Ouais, c'était pas mal. Pas besoin d'aller dans le dos, hein, du coup, vu qu'on se le fait de face. C'est parti, hein. Ok, on a la C10. 4 de mouvement, ça me va. Est-ce qu'on le tenterait de le faire chauffer? Parce qu'il chauffe ce truc, je crois. Hein. Bon, on peut tirer à l'incendiaire un petit peu. L'incendiaire, c'est pas de l'inferno, ça va pas... Je crois pas que ça va déminer le terrain. Hein. Pas trop. Et on va voir si ça chauffe un peu. Ok. 4. Ok, ça chauffe un peu. C'est-à-dire que si je rajoute un peu de chauffe avec un autre, on devrait être bon. On a un commando, non, qui a de l'inferno. Il va finir par envoyer son maximum dans les mines, je vous parie. Ah, mais il y a lui qui a de l'inferno. Est-ce qu'il lui a balancé? Non, il a touché la tête. Ah, il a 5 de threshold d'inconscience, par contre 2 points de vie. Ok. Cunu. Cunu sans bouger. Sans bouger, on lui fait mal. Hein. En fait, sans bouger, on le fait tomber. Je pense qu'on bouge pas. On y va comme un bœuf. Je l'ai dit, hein, quand vous bougez pas, vous vous faites punir quasiment instantanément derrière. Mais justement, là, je pense que ça peut valoir le coup. Il y a plein de touchés, pas beaucoup de stabilité, mais on a... On a bientôt rasé ses bras. Allez, faut le mettre par terre, hein, par contre, là, faut pas se rater. Le faire chauffer au passage. Deuxième volet d'incendiaire avec le même. D'ailleurs, c'est Tarful qui a fait les deux. Vu qu'on voit qu'elles sont déjà chargées. Ok. Firing everything. Oh, 57%, il a raté 5 fois d'affilée. Ah ouais, alors là, on a eu vraiment, vraiment un coup de pas de bol. Lui, son armement est pas réparé. Répare ton canon. Préparé, ok. Aïe aïe. Battle armor. On a un tir direct. Copy that. Le mortier va toucher forcément, mais je risque de déminer. C'est pas grave, si on le fout par terre, ça devrait aller. Et Logos. Alouette. Ah non, ça démine pas. Ok, le mortier de Battle Armor ne démine pas. Par contre, ça fait tomber. Bim, trauma. 3. Il a pris 35 hein, sur la chute. 3. Il a pris 2 coups d'inconscience. Il a pris 1 point de vie. Il lui reste 1 point de vie.
Allez, plus grand chose. Limite, faudrait le laisser se relever pour le refaire tomber. Pour essayer de pas trop flinguer la bécane, mais je crois qu'on va pas attendre. On va aller avec Moumout. Alors, est-ce qu'on va avoir besoin... Si je lui arrache le torse, c'est gagné, hein. Ça fait un point de dégâts au pilote. Allez. Let's see if I'm sober enough to line this up. Well, c'est éjecté, il a survécu, hein. Merde, il reste un truc. Ah mais oui, mais j'ai toujours pas tué l'autre connerie là-haut. Je peux pas le rejoindre avec le harasseur. On va aller scanner. Seulement 6 de défense, le Firebee là il va peut-être m'allumer, on sait jamais. Mais on devrait le trouver. Sinon les hélicos alliés vont le choper. Hein. Oh, les deux Ifrit là, ça couche. Si on les joue nous, on arrive avec des light AC-20 et on cartonne le dos des ennemis et on balance 4 bombes mines. Il a pris le Plainsman pour cible, ça va. Donc vous voyez les LRM5, avec quoi il les a chargés. Même s'il rate ses tirs, il touche en fait. C'est pour ça qu'il en a 7. C'est rigolo. Mais on est tombé sur des omnimecs, hein. C'est des omnis de l'enfer là. Sinon ils auraient pas autant de place d'armement, hein. Clairement. Le Clint qui a fait de la balade dans la forêt depuis le début. Oh, des champignons. Il est parti au CEP, lui. Alors, on aurait un peu d'indirect avec le Talos. Non, avec le Phoenix, le Nightwood. Ouais, on va éviter de se mettre sur un truc où c'est casse-gueule. 3 de mouvement, voilà, très bien. Je balance, quel que soit le pourcentage, hein, les LRM. Avec le LK, de toute façon, ça peut pas être si nul. Engaging with target. Je suis pas sûr que ça encaisse beaucoup cette merde. Hein. On lui met 25 et c'est déjà tout gris foncé. C'est vraiment une chips. Par contre, nous on va pas s'amuser à aller dans les tas de mines qui sont horribles là. Commander. Rackham. Le Janer peut passer sur le côté. Est-ce qu'il peut atteindre sa cible? Non. Hein. Copy that. On va se mettre en position, je peux pas le ping, hein. On l'a pingé autour d'avant, mais je crois qu'il l'est toujours ping, hein. Je crois qu'il l'est toujours. Commander. Alors, Hetzer LRM, pareil, là on a un beau tir possible. Mais en indirect. C'était pas facile de se mettre sous le... Sous l'hélico. Ok. Ah, oh, c'est nul. Ah, on a touché 4 fois. Bon. On n'a pas été plus nul que l'Apollo finalement. Par contre, il nous donne une fois une bonne visée, c'est bon. Ouais, il prend 3 de mine. Le Ifrit, allez, là c'est 20. Bim! Il vient de prendre 80 dans la patte, je crois. Non, dans le torse. Waouh, encore pire. Là, il explose son moteur si jamais on l'achève. Il y aura 5 points de vie dans le torse. C'est fini au moindre tir. Alors, les Battle Armor. Je vais quand même faire des tests avec les Battle Armor, vite fait. Tant qu'on est là. Je vais tirer au mortier pour déminer. Je vais voir si, hein, si ça peut fonctionner. Je vais en faire attack ground là par exemple. Wilco. Ça a pas l'air de déminer, hein. Putain, il est en mode skirmish. Skirmish du bout du monde lui, hein. Et il nous met 1 million de dégâts en vrai, vu que tout le monde est paqué.
Bon, on en a stoppé que 4, ouais, ça marche bien ça. Orders. Par contre, je crois qu'il a pas assez bougé pour son propre bien. Et que là, les LRM, même en indirect, ça va commencer à toucher. Ah, encore que... Taking the shot. Allez, il suffit de toucher un coup dans le torse. Un petit coup dans le torse. Évidemment, on n'a pas... On a touché 5 fois quand même. La C10. La C10, c'est pas bien parce qu'il cluster trop. Mais il suffit de toucher le bon endroit, on va dire. On va remonter par là. Accelerating to maximum speed. Ouais, avec le low profile, il est bas. Hein. What now? Assez lisse. Ouais, on le choquera pas. Reprenons la route. If you say so. Avec le collègue. C'est quand même impressionnant ces deux AC-10 là. Alors, je préférerais qu'ils aient un canon normal, mais j'aime bien l'idée de tirer 5 fois qui fait 15, vous voyez. On a l'impression qu'au global ça fait plus de dégâts, et qu'il y a plus de chances que au non global on touche quand même un minimum, vous voyez. Donc c'est cool, mais le fait que ça puisse s'enrayer direct, grâce à un peu les bonbons quand même. Roger that. Blackjack, il l'attrapera jamais. C'est une certitude. Moumout. Moumout n'a pas besoin de l'attraper pour le tuer. Faut juste qu'il ait de l'indirect et il en a tout le temps. Je pourrais aussi ne pas bouger. De toute façon, il nous touche avec sa merde. 13%, waouh. 13%, même à l'arty. Eh ouais, il a pas assez bougé alors. Ok, non, on va avancer. Je pense qu'il y a probablement un peu de portée qui joue. Hein. Let's make some bad decisions at high speed. En fait, faudrait sortir de la forêt si on veut faire un tir vraiment bien. Et on va continuer quand même à le pilonner. Autant balancer les standards, ça ne sert à rien. Let's see if I'm sober enough to line this up. Allez, un tir dans le torse, c'est pas possible. On l'a touché 9 fois et on n'a pas touché une seule fois le torse. Alors qu'un seul suffit pour l'abattre. Ah, on sait qui va l'abattre, hein. Ça va être l'unité la plus pourrie de notre allié. Tous les coups. Janer, hein, il peut trouver un angle. Tu peux trouver un angle si j'ai confiance en toi. Oh non. Ah, mais il peut aller l'attraper carrément. Bonjour. Ah, les tirs sont pas fous. Ah là là, rien du tout, on est à portée courte. Hein. 23 sur le Shrek. Je me base sur le Shrek en priorité, mais... 26, ouais, allez. Roll to that. J'aurais pu ping pour les autres, mais je pense que là, il suffit de bien toucher ce truc-là. Non, mais il a 2 points de vie qui lui courent après, quoi. Bolton AMS. On peut pas le mettre en tir, hein. Non. On a touché à 20, et le Shrek est pas parti. Ah, mais je suis dégoûté. Je lui mets 20, mais ça touche pas le truc. Et là, il va lui mettre 100. Ou pire, nous mettre 100 dans le dos. Ah, il balance toutes les mines. Non, fais pas ça. Oh putain. Il lui met 3 x 7 et il touche pas le torse. 15 de chauffe. Fuck. Ah là, il nous pourrait la vie, hein, l'allié. Le Clint. Le Clint, il est au CEP. On le laisse chercher. Copy that, Commander. Quand il rentre à la base, il a dit « Regardez ce que j'ai trouvé, des radis !» Tout le monde va lui tomber dessus à bras raccourcis. C'est, il arrive, j'ai trouvé des radis, regardez, 2 paniers pleins, ils vont lui foutre sur la gueule. Il s'est cogné. What? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a chargé avec son... Alors, Ifritch Sakush, Jet Booster Explosion. Ok, non, il a fait un truc nul. En gros, il a utilisé un Jet Booster, je sais pas ce que c'est. Mais maintenant, il saigne pour 7 tours. Ce qui a fait une explosion de munitions. Donc son Jet Booster s'est fait détruire. Le freebie
s'est mis à couvert. Ah, il a tiré sur le freebie, c'est ça? Et on le voit plus. Alors pourquoi on le voit plus? On sait même pas ce qu'il a pris du coup. Mais lui, il s'est fait exploser son propre vaisseau avec un booster de vitesse. N'importe quoi, mais installez pas des trucs dégueulasses sur vos bécanes. Oh là là, le harasseur qui a un tir. Ah, oh, je suis obligé d'aller le tenter. À moins que je trouve un autre tir. Par là. Oh là là. Ah, oh, je suis obligé d'aller le tenter. On va traverser les mines. On a combien? On a 46, 34. Faut regarder le plus bas. Est-ce qu'on va prendre 34? Normalement, on est un aéroglisseur. On prend pas autant les mines que les autres unités. À roue, à chenille. Mais j'ai un peu peur quand même qu'on passe pas le tas de mines. Mais le tas de mines là, c'est nous qui l'avons mis. Hein. Il est beaucoup moins fourni. Mais si c'est pour tirer dans le dos de mon Janer, ça me dit quand même moyen aussi. Hein. Je peux passer par là. Hein. Ou je peux simplement... attendre là. Roger, full speed. Ouais, je vais pas passer dans les mines, j'ai pas confiance. Je pense que je prendrai maximum 25. Mais bon, sur du 34 points de vie. Si je me gourre, si j'ai jamais c'est le champ de mine que eux ont posé, je pense pas. Hein. Je pense que eux, c'est, ça s'est réparti mal. Et là. Bon, après, quand il va bouger, il va prendre des dégâts tout seul. Hein. Donc je me dis qu'il suffit d'attendre qu'il se déplace. En attendant, on lui balance les LRM en indirect. Voilà, comme ça. Understood. Moving fast. Alors, le Hetzer LRM, si on a un beau canonnier, ça serait vraiment pas mal. Roger. Il faut mettre des dégâts un petit peu dans les jambes ou alors toucher ce foutu torse, enfin. Ok. Bon, ils étaient que 4. Imaginez une lance de 8, exactement la même mais deux fois plus nombreuse et sans nos alliés. Je suis sûr qu'on se fait, massacrer. Hein. Enfin, massacrer. On prendrait super cher. Ouais, massacré, ouais. Ouais, non, c'est ça, on perdrait la moitié de nos troupes. Les petits trucs, les harasseurs, les conneries du genre. Ok. On a un kill là. On a un kill là. Il nous a volé plein de kills, mais par contre, 1500 XP par pilote. Ça, c'est vraiment pas dégueu. Le Firebee. Beekeeper. Grasshopper x2. Ouf, par contre, je suis un peu obligé de prendre ça. Le Lucky. Le Hades Lucky. C'est un Lucky hein, de base. Non, c'est un Hades de base. Ouais, c'est un Hades. Par contre, il n'y a qu'une place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait le récupérer complètement, mais il faudrait 6 salvages. Hein. Donc on oublie le Owens. Le Owens, on a déjà une pièce de ça, je crois. Non, même pas. C'est pas cette version. Alors, Extended Range, Small Laser, Blaze Fire. 20% de jam chance. Ouais... fantastique. Hein. Medium Pulse Laser Magna. Alors c'est basique, Magna c'est dégâts augmentés, chaleur augmentée. Mais c'est pas mal. SRM6 Shrek de clan x6 en un seul ramassé là. Alors oui, évidemment, c'est plutôt sympa. C'est 240 000 pièces. Non, ça doit être les 6. Hein. Et on en a 0, ouais bah tu m'étonnes, mais bon. Un tag. Beagle, c'est 3, je regarde s'il y a un truc, hein, mais pour le moment, en deux styles de clan, ok, c'est pas mal. Engine XL de clan, ouh. Ferrofibre de clan, ouh. Patchwork matériel, ah. Alors, c'est une collection de matériel de différents types. Qui donne la même protection qu'une armure de faible tonnage, mais au prix de critical slot. Ouais, ok, ok, c'est un patchwork quoi. Ça a pas l'air nul. Tonnage moins 0,2, emplacement 1. D'accord, d'accord. Senseur sentinelle, ouh. C'est niveau 3 ça, hein, de... Non, niveau 2. C'est 3. Ok. Tactique support. Plus 1 à la tactique. Simplement dans un support vital qu'on peut rajouter. SRM LK, on n'en a pas. SRM Shrek, on en a peu. De clan.
Oh, les munitions SRM de clan Shrek, on va pas les trouver faciles, mais si on prend pas le lanceur en même temps, je pense que c'est mort. Je crois que je vais prendre ça, je vais même pas prendre des carlingues. Bon, même si sur le papier, prendre deux grasshoppers, c'est quand même vachement mieux. On peut mettre 6 lasers là-dessus et un missile. Donc on peut mettre 6 lasers, un SRM-6 et on a une unité de corps à corps absurde. Death from above. On prend moins de dommages sur les DFA et on inflige plus de dommages sur les DFA. Ce serait parfait pour Talos. Et Harden Plate, on prend moins de dégâts. Ouais, le Grasshopper, c'est vraiment un 70 tonnes qui fait mal. 70 tonnes qui te tombe sur la gueule. Tu le sens forcément passer. Comment ça, l'Atlas a sauté? La vieille réflexion. L'Atlas a sauté, chef. Quoi? Comment ça, l'Atlas a sauté? Dernier mot du soldat. Non, je vais quand même prendre le Engine XL. Tant pis. Ah là là, 2, 4, 6, en 3 salvage, j'en aurai les 3. Donc si j'en prends un, j'augmente mes chances qu'avec les 7 salvage qui restent, je tombe sur les 2 autres grasshoppers. Est-ce que vous croyez qu'on va chatter à ce point? Mais au prix de l'Engine XL. Après, je peux chatter l'Engine XL. Allez, on va le tenter, on va le tenter. Parce que si on a un grasshopper sur un coup de bol absolu... Non, dommage. Et on a l'Engine? Non, on n'a pas l'Engine. Par contre, on a des LRM Hydra. Alors les Hydra, c'est ce qui nous a fait, hein, les espèces d'AOE là, dégueulasses. Par contre, on a les SRM 6 Shrek. Donc on a quand même récupéré un truc cool. Et 3 LRM 5 pirates. Alors ils font quoi ces LRM 5 dégueux? x2 le coup critique. Ok, il augmente les chances de coup critique 2 fois, donc il a un peu plus de chances de faire du crit. Et c'est pour ça qu'il mettait les munitions Hydra pour faire plein de petits dégâts. Plein de 1 de dégâts, mais en espérant faire des crits, quoi. Ouais, ça s'est pas reflété, vu qu'on a pris vraiment beaucoup de ces dégâts, et il n'y a pas eu un seul critique, hein. Enfin, j'en ai pas vu. FCS Artemis 2. Plus 1 accuracy avec les missiles, c'est très bien. On n'a rien acheté, là, hein. Tout est bien. SRM LK, large laser x2. On en a qu'un, donc je vais en vendre un, peut-être, mais pas les deux. Et 2 grasshoppers. Ouais, bon, j'aurais peut-être dû prendre l'XL quand même. Ah, s'il m'avait mis les 2 grasshoppers x2, on aurait eu une bécane. Vraiment, on aurait mis du temps à la refit, mais ça aurait été beau. Hein. 70 tonnes. Qui tâche. Bon, la mission était simple quand même. Le terrain n'était pas favorable du tout, hein. Et les alliés avec les mines, un peu dangereux quand même. Mais tellement puissants ces deux VTOL là qu'il y avait avec nous. Ok, on se prend 2 jours. Attendez, il y a un truc à faire dans le hangar à mec là. C'est regarder ce qu'on a de dispo. On peut renvoyer une bataille quasiment instant là. L'Apollo a rien pris. Par contre, ouais, la Battle Armor, ce serait bien de la mettre vu qu'il y a 15 jours. 18 jours le Vulcan, on va le mettre tout devant. Voilà, là on va mettre un jour. C'est comme ça, dans un jour, les deux prochains arrivent. Et les deux prochains... Ah non, il faut mettre le Thunder, attendez. Le Thunder, sinon il arrivera jamais, voilà. Donc 36 jours, 18 jours sur le deuxième, et là un jour sur le troisième. Plus 4, plus 6, ça fait 12. 12 et 6, 18, on arrive ex aequo, et là, on aura 9 jours. Donc on finit dans 18 jours, tout ça. Ouais, ok, on a large de quoi faire des missions avant. Il faut qu'on se repose 3 jours, 2 ou 3 jours, selon les fatigues. 1, 2... Est-ce qu'on a besoin du 3ème jour? Je suis pas sûr qu'on ait besoin du 3ème jour. Kunuk, Xanto, Rakam. Bon, allez, on peut se prendre une journée. Évidemment, ça en fait passer 2. Ok. Donc si je regarde bien, dans 38 jours, on a tout. 32. Ah, c'est pas réparti exactement pareil. C'est pas grave. 47 jours pour le Henshi. Je sais pas ce qu'il a eu, ce Henshi, mais... on va quand même jeter un coup d'œil au hall de recrutement. On a toujours pas de couchette en rab, hein, mais... Arachné. Ouais. Faudra pas recruter ici, je pense. Malhonnête, noble, y'a que des pirates dans le coin, c'est incroyable.
La boutique. La boutique, elle a pas évolué. Je pense que c'est tous les mois. Hein. Ah non, Shrek. Edzer à Célis. Alors, est-ce que c'est le même? Acelis Midron, ouais, c'est sûr. Piu piu piu. Ok. Oh, ben c'est tellement bien que je me dis qu'il faudrait l'acheter. Le Shrek. Alors c'est pas. Ah si, c'est le PPC. Ok, c'est le PPC mais avec deux mitrailleuses. Alors, je suis pas sûr que ce soit le même que les pièces qu'on a. Mais on a plein de Shrek avec de l'armement différent. La 3,6 millions, c'est vraiment pas cher payé pour avoir cette bécane. Hein. En plus, il a des mitrailleuses, vraiment, s'il se fait choper au cac. Ou pour creuser dans les trous de ses PPC, une fois que les ennemis se rapprochent. Accurate to weapon, PPC, plus 1 au toucher. Ah, non, il est vraiment dangereux, ce véhicule. Surtout, je pense, avec nos pilotes, ça va risquer de picoter, hein. Mais est-ce que je suis prêt à dépenser 3,6 millions? Ça veut dire rester ici. Hein. BGO. Firestarter tout neuf. Non. Inner Sphere à 2,2 millions. Waouh. Tac barrage. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il a un tag personnel. Et il peut faire des tirs de barrage qui infligent tag. C'est pas des dégâts, hein. C'est du tag sur une zone. Ok. C'est l'infanterie typique pour scouter pour les LRM et poser du tag pour que tout le monde puisse voir les ennemis. Le problème, c'est que cette infanterie, il faut qu'elle soit devant, loin. Ou alors qu'elle soit vraiment sur une crête, dans une forêt, et qu'elle ait une vision sur tout plein de trucs. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. On peut aussi changer l'équipement et lui laisser simplement le tag personnel, virer le tag barrage, ou en laisser un seul de tag barrage, parce qu'il n'y aura pas besoin d'en faire 10, et lui mettre un vrai armement à côté, genre du mortier ou des trucs. On a un Phoenix Hawk Lame. Alors, Phoenix Hawk Lame, on parle de 50 tonnes, hein. C'est pas le lame tout dégueu. Par contre, c'est une armure en aluminium, hein, donc... il a deux lames Hardpoint, donc pour les bombes. Il a de l'AMS Flare, Vulcan, donc il a deux trous là, hein, où on peut mettre des trucs. AMS Flare, Vulcan. Ok, Vulcan c'est l'équivalent de l'Inferno je pense. Et le Flare c'est pour taguer l'ennemi. Ouais, Phoenix Hawk. Prowler, ah voilà les Prowlers. Alors, lequel peut transporter l'infanterie? Can carry one battle armor squad, bah les deux je crois. Can carry Battle Armor Squad. Ok, les deux peuvent porter des Battle Armor. Lui a un LRM-10, un SRM-2, deux Medium Pulse. Donc c'est la version qui va bien. Et lui, c'est pareil. Sauf qu'il a le CM en plus, lui. Lui, pourquoi il est si nul alors? 145 de blindage. 145, 115, 115, 90. 145, 115, 115, 90. Il a le même blindage. INC d'FBE. INC d'FPE, 4-6, fusion, 4-6 fusion, bah merde. Il coûte moins cher, non il coûte plus cher en plus. Et ah mais lui il a un Beagle Probe et l'autre a le Guardian ECM. Ok, donc lui aurait la vision, lui aurait la Protec. Guardian ECM ou le piratage. Ok, eh ben les deux sont très tentants. Parce qu'ils ont le Battle Armor compartiment. On va regarder s'il y a autre chose. SRM Carrier. Waouh, waouh, waouh. Transporteur SRM Carrier. 85 points de vie. Il a combien? 9 SRM 6. Un Arc Launcher. Ah, oh, c'est dur. T'es dur avec moi, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne bouge pas. Hein. Ça a 3-5 de mouvement. 4-6 avec nos pilotes. Mais ça ne bouge pas, mais ça balance 9 SRM 6 dans la gueule de l'ennemi. Et idéalement, tu narques avant. Histoire de faire en sorte que tes MCP 6 touchent. Missile accuracy plus 2. Munition d'arc beacon. Plus 2 d'accuracy contre la cible d'un arc. Donc en gros, si tu mets le narc, t'as plus 4 d'accuracy sur les MCP6 et tu le défonces. Le problème, c'est ça. C'est que c'est un SRM qui a 60
points d'armure, quoi. Hein, 85 points d'armure. Il n'y a aucune chance qu'il arrive au contact de quoi que ce soit. Encore que jouer par un joueur, c'est peut-être moins dur. Hein. Trébuchet. Ouais, ça nous ferait une pièce de trébuchet. Embrace, non. Le Strider, on s'en fout. Le Stinger, l'âme. Dirk. Pareil, le transporteur est pas très cher. Hein. Mais je veux pas acheter des trucs qu'on va pouvoir avoir. Non, je vais prendre les deux prowlers, je crois. New Battlemax available. C'est pas les meilleurs véhicules blindés pour l'infanterie. Mais c'est pas nul. C'est pas nul. Le harasseur. On le jette. 141 000 le harasseur. On jette. On va acheter aussi l'hélicotag. Du coup, on a deux battle armor et deux véhicules de transport. Ok, on commence à avoir une petite idée de ce qu'on va faire de ces battle armor. Je pense que si jamais je dois mettre 4 véhicules de transport, ça va commencer à être compliqué par contre. Donc on va voir si, si on peut transférer deux battle armor sur un seul véhicule ou des choses du genre. On va dire que c'est cool. Deux battle armor, pas plus. Et puis, si les prowlers se révèlent être... si on chope des bandits, là oui, ok. Attendez, tout ça, là. Ok, il nous faut quoi? Apollo, ça, les commandos. Bah, on a les trois. Clint. Bah, Clint pour le corps à corps. Ok, Talos. Knightwood. Hein. Les commandos. Il y en a un qui est nul parmi les trois, je sais plus c'est lequel. Un B, un D, un 5S. Je vais regarder simplement le mouvement. Close range moyenne. Non, on voit aux dégâts simplement. Voilà, lui a très peu de dégâts et lui. Ok, les deux là ont à peu près les mêmes dégâts et lui a moins de dégâts. Jainer. Ok. On laisse courir ça. Le stockage. Ah, on m'a dit que quand ça avait un dos vert comme ça, on pouvait les refit. Donc on a un Apollo qui est dispo. Et c'est tout. Et un cavalerie? Non, pourquoi? Ah non, c'est pas vert, vert. Ok, donc oui. On peut préparer un Apollo 2S. Alors le 2S, c'est celui qu'on a. 4 lasers, 2 missiles. Et un Apollo 3T, 6 lasers, 2 missiles. Alors quelle est la différence? Suppressive, non, c'est pareil. On a plus de lasers sur celui-là, c'est tout. Ok, on va monter celui-là pour voir la différence, mais je crois pas qu'il y en ait. Hein. C'est exactement le même, mais avec plus d'emport. Ok, on a un deuxième Apollo. Ça va nous coûter au moins 1 ou 2 millions de refit un Apollo, à moins que je le mette pas en full... On va strip équipe, on va max armor, voilà. J'aimerais bien faire la combo saut avec l'Apollo. On va regarder le type de moteur qu'on a déjà. Ouais. Si je mets ça, bah il est super rapide. 6-9. Mais évidemment, c'est pas possible. 55 tonnes. Ça fait 110. 165. 155. 175. Ok, là on aurait 3-5. 3-4. Fuck. 3-5 à 180. 3-5 à 180. Ok. On aurait un mouvement de merde, mais on n'entamerait pas beaucoup le blindage. Ensuite, on a des structures. Putain, je regrette cet engine XL. Machin pirate. Non. Endostyle de clan, pourquoi pas. Ferrofibreux. Ok, je crois qu'on n'aura pas mieux que ça. Artemis 2. Non. 4. Alors, il donne pas la possibilité de tirer à l'Artemis, hein, celui-là. Est-ce qu'on se met à l'Artemis? On n'est pas dit, hein. Pas dit qu'on ait besoin de l'Artemis, mais bon. Dans tous les cas, ça donne un moins 1 d'évasion. On peut mettre ça, hein, quoi qu'il en soit. Bien que si je mets pas de missile Artemis, on peut mettre ça. Hein. Est-ce qu'on part sur... parce qu'on peut faire un corps à corps avec ce truc.
On peut mettre 6 médiums et 2 SRM6 et on a une unité de corps à corps de l'enfer. Mais c'est sa vitesse qui coloche. On peut aussi mettre un super antimissile système de clan, étant donné qu'on a les munitions antimissiles. Okay, on va les mettre sur un torse de toute façon. Avec un case. J'ai pas le ferrofibre de clan, dommage. Obligé de mettre une demi-tonne de case pour ces mines là. Hop. Du coup, on va mettre les mines LRM là. Qu'est-ce qu'on installe comme LRM dessus? Alors, j'ai 2 LRM de clan, mais 10. Ce qui peut être rigolo, mais j'ai qu'une tonne de mines de clan, je crois. Donc, ça serait des MLP-10 avec une seule tonne, ça fait 120 missiles. 120 missiles qui seraient balancés en 6 tirs. 6 tirs et t'as plus rien. C'est peut-être un petit peu light. Sinon, on vise dans le beaucoup plus lourd. Attention, on a 20 tonnes d'armement, c'est pas mal. Hein. Sinon, on vise dans le missile technique. Genre Thunderbolt 5, Thunderbolt 5. Je sais pas si ça fait des trucs, ça. Ça tire à 840 mecs. Devastating Guided Missile, 32 dégâts, x2. Est-ce qu'on a des munes pour ça, déjà? Thunderbolt 15 Slug. AO4, non, on n'a pas. Je vérifie, mais il y a peu de chance, hein, on est d'accord. Ah, dommage. Et en AO4, on aurait ce qu'il faut, mais... Bon, on n'a pas les munes pour ça. Faut qu'on pense à regarder un petit peu ça, toutes les munes. Vous savez, même sur les ultras, dans les boutiques. Parce qu'il y en a où on a les lanceurs, mais on n'a pas les munes. Et d'autres, on a les munes et on n'a pas les lanceurs. Donc c'est con quand même de pas pouvoir trouver. Alors, on va regarder simplement au LRM20. Sinon, il y a le truc pirate là qu'on avait utilisé au tout début. Taser Rifle, c'est 6 tonnes. On a un tag. Le tag, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est là, à la place du système antimissile. Et le système antimissile, est-ce qu'on en a un autre? On n'aurait pas un truc genre flair? Ah. Ok, on pourrait ne pas prendre l'antimissile système de clan et juste prendre un flair. Ça peut suffire. Ok. Du coup, le case, on en aura quand même besoin, mais on va le mettre là. Alors, est-ce qu'on en aura besoin? Si je mets 2 PPC, on n'a pas besoin de missiles, hein. On peut en faire un zombie, le bordel. Mettre 2 LRM5 pirates, là, qui font du critique x2, et mettre les munitions bizarres qu'on a trouvées. Hein. Sinon, je mets 2 LRM10 de clan, 2 PPC. Oh, ouais, bon, avant de faire des trucs bizarres, on va d'abord faire ça. Hop, tag. Donc là, on peut taguer la cible. Oh, fuck. C'est où? C'est là? C'est là. Donc on peut taguer la cible. On peut AMS flare. Et puis on peut cultiver l'ennemi. Bon, je vais mettre le cultivator parce que ça ne coûte strictement rien de le mettre. Hein. Et que je le mets nulle part. Voilà. Et ça fera une arme de corps à corps à l'Apollo. Donc le tag, le machin. Ok, on est bien là. On est bien. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut 2 missiles. Ah, on a 2 LRM-30 pirates. Bon, alors là, le poids... Le poids s'envole, mais pas tant que ça, hein. Pas tant que ça du tout. Un engine XL, et c'était réglé, hein. Un engine XL de clan, là, et on avait tout réglé, hein. Pourquoi l'AMS, il est là? Qu'est-ce qu'il y a? Pas tant. Pas tant, machin. On peut mettre l'engine pirate pour réduire le poids. On peut réduire les blindages arrière. Ce qui ferait 35-35. Là, je vais vraiment sur du léger, hein, en blindage. Et 45-50. 50. 50. Hmm. 3 tonnes de mune, ça pourrait suffire. Il suffit que je gratte là. Par contre, il a pas d'autre armement. attendez. On va pas faire une grosse connerie. Voilà, attendez, hop, un tonne de plus. Voilà, là on a 3 tonnes. Donc en gros, là, ce que je peux faire, c'est mettre 2 médiums laser et une tonne de mun, mais à coup de LRM30, il va bouffer à travers les munes trop vite. Par contre, avoir 2 LRM30 avec du recul comme ça, il faudrait pas tirer à chaque tour. Hein.
Le problème du LRM-30 là, c'est que sa portée c'est 660 mètres. Et 666 mètres. Et même si je mets des trucs et qui tirent plus loin ou qu'on voit plus loin, ça reste quand même très tendu là. Bah évidemment, on a mis tout le matos sur les autres bécanes, hein, donc là on se retrouve avec ce qui nous reste. Par contre, on a un Bloodhound Probe qu'on est quasiment obligé d'utiliser sur l'Apollo. Hein. Là, on gagne en portée. Pas sur les lance-missiles, mais sur la visée, sur les senseurs. Non, je crois que c'est pas une bonne idée de mettre les deux pirates. Même si je vois pas où c'est qu'on pourrait les mettre, à part sur une bécane comme ça. Il faudrait plus que du 50 tonnes, en fait. Plus que du 55. Ok. En LRM-20, par contre, ça serait complètement viable, je pense. Parce que là, on pourrait même rajouter les lasers, éventuellement. Mais je crois qu'on en a qu'un de LRM-20 qui traîne. On a un 15. Un 15, un 20. On peut mettre un 15, un 20, éventuellement. Si on aime bien quand c'est asymétrique. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais... Alors, si je vire les deux LRM... Que je mets par exemple 2 LRM 10 de clan et qu'on ait que 6 tirs de munitions, parce qu'on aura que 6 tirs hein, tous les coups. Clan, ouais, on a qu'une tonne. Oh, une seule tonne, on n'a pas besoin du système Artemis. Ça, c'est des mines de clan. On met le missile accuracy plutôt. Mettre un gardien ECM. Point de vue tonnage, on est large là. Hein. Point de vue chauffe aussi. Je vais essayer de mettre des doubles. Mais je suis pas sûr qu'on en ait des doubles. Si on n'a pas de double, on peut pas mettre de PPC. Hein. Ouais, c'est ça. C'est compliqué sans double. On peut quand même y rajouter des dissipeurs hein, au pire. Pourquoi tu mets. Ah, parce que les PPC, c'est là. Non, c'est où? C'est là. Ouais, la chauffe a pris une baffe. Le tonnage, c'est ok. On aurait deux LRM-10 de clan, un PPC. Ce serait ça, là, l'armement. Ce qui est très bien à longue distance, hein, mais... Est-ce que c'est ça, le plan? Ou alors un PPC lourd. Heavy PPC, là qu'on sait pas comment on l'utilisera un jour ce truc. Ok, rendement thermal qui est 66. Si on avait les doubles, si on avait les doubles, ça serait fantastique. Par contre, le moteur pirate, est-ce que c'est utile du coup? Parce que d'un point de vue poids, on est ok, hein. Puis ça évite d'avoir un moteur bizarre. Ok, ok, on peut tenter un truc comme ça. Allez, pourquoi pas. On a un bon gardien ECM, on a un tag, on a un cultivator, on a tout là. On a deux LRM de clan de l'enfer. On n'a pas de mun. Mais on a un ultra PPC. Et juste l'ultra PPC, c'est une arme longue distance qui va très bien. Combien il tire de distance? 720 mètres. Ah, c'est même pas une grosse distance, attention. Hein. Ok. D'accord. Il nous faut des dissipeurs, hein, c'est tout. Hein. Faut qu'on mette dans les pattes partout. Plein de dissipeurs partout. Pour réduire la chauffe de ce bordel là-haut. Après, on va pas tirer les LRM et les dissipeurs en même temps. Hein. On va voir. 10 de chaleur, 20 de chaleur. Je peux compter 20 de chaleur de moins. Donc ça ferait 46. Ouais, il va falloir qu'on mette quelques dissipeurs quand même. Hein. Ça commence à peser hein, sur la machine, mais... Si on veut un heavy PPC, il faut ce qu'il faut. Du coup, oui, on tire bien à longue distance quand même. 40, 40, 52. De blindage. On n'a même pas besoin du 52. On va dire que c'est bon. Encore des dissipeurs. Putain. J'aimerais bien mettre des médiums quand même, mais j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir. Hein.
l'inhibiteur de son nom. Je peux mettre un ferrofibre normal? Non, comment ça s'appelle? Un endostyle? Ah bah j'ai même pas d'endostyle normal, magnifique. Alors le moteur, 180, on peut réduire le moteur, hein, mais 3,5 c'est déjà tellement léger. Non, on peut rien faire de plus là. Le seul truc qu'on peut faire c'est mettre un laser moyen. Mais même si on fait ça, un laser moyen ça va être l'enfer. Plein de petits lasers. Ah ouais, on peut faire ça. Comme ça, on utilise quand même un peu nos emplacements supplémentaires. Des petits lasers, simplement. 1, 2, 3, 4 et 5. Il est où le dernier? Il est pas là, il est pas là, il est là. Hop. Ok, c'est plutôt rigolo. Alors les petits lasers, évidemment, ça nous ruine la chaleur, là, 80 en Alpha Strike. Oh là là, cette machine de la mort. Mais franchement, Heatsink Double, qu'on ne peut pas utiliser, parce que on a le Heatsink Kit manquant, c'est vraiment dommage. Mais ça serait pas compliqué de... Mais vous voyez, ça coûte pas cher à reconstruire, hein. Mais il suffit de changer le cooling system et on aurait une bécane qu'on peut modifier très très simplement en virant les dissipeurs de base. Le moteur a aussi 3 free. Additional 5, ok, c'est ça. Et puis là, faut que j'enlève évidemment une tonne. Enfin, non, 0,3, donc on va faire ça. Un clic. 49, 2, 3. Comme ça, donc Heavy PPC, 5 petits lasers. Alors quand, si jamais il se fait choper au corps à corps, lui, il est beaucoup plus dangereux. Hein. Parce qu'en fait, les LRM-10, il a pas beaucoup de tirs. Donc il va surtout compter sur son Heavy PPC, et de temps en temps, il va balancer les LRM-10. Probablement en indirect au début. Ensuite, il aura plus de mun, il fera du tir direct à l'Heavy. Et s'il a le malheur de s'approcher assez près, les 5 petits lasers feront un trou. Et évidemment, beaucoup trop près, il aurait le cultivator. Donc là, on a une machine qui a toutes les ranges, mais pas forcément le plus opti. Mais le Heavy PPC peut tirer à courte portée. Hein. C'est 90 mètres son minimum. Donc au-dessus de 90 mètres, il peut tirer. Hein. Il serait à portée courte. Donc ça reste une arme qui est super dangereuse. À toute version, à toute distance. Donc, ouais, le Heavy... Il fait 75 de dégâts et 16 de stabilité. C'est surtout la chaleur qui m'inquiète sur le Heavy. Si je mets un PPC normal, là, on allège tout. Hein. On allège tout et je peux rajouter encore des dissipeurs. Mais quand j'aurai les doubles dissipeurs, je pense pas que ça devient un problème. En plus, il a pas de grosse faiblesse. Parce que au bout de 6 tirs de LRM-10, il n'aura plus de mun. Donc ça deviendra un zombie, en gros. Et si on lui met le double dissipeur zombie, bah, il encaissera et il chauffera plus. Parce qu'avec les doubles dissipeurs, il a 60 de déchauffe. Donc je pense que là, c'est temporairement qu'il est moyen, mais qu'il sera très très bien avec une version de ce type, une fois qu'on aura les doubles dissipeurs. En plus, bon, il a un très bon probe, il a un bon gardien ECM, le tag, il a d'autres choses à faire, il a un anti-missile système. Franchement, c'est rigolo. Et puis, c'est pas obligé que ça soit un LRM boat, vu que c'est pas vraiment un LRM boat. C'est un peu comme un phénix avec à boire et à manger dedans, quoi. Et ça nous coûte pas 2 millions, surtout. Il est tout défoncé, j'adore les carlingues un peu éclatés comme ça. Si on compare à l'autre, qui est tout beau. Ouais, lui, une carlingue un petit peu tordue, hein. Mais c'est rigolo. Alors, par contre, ouais, encore des jours et des jours de boulot. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait voyager, hein. Mais on a trop éclaté nos sous, il va falloir qu'on arrange ça. On fera ça notre prochaine fois, merci d'avoir suivi, et à bientôt.